Bon, mais nous voilà au bateau. Tabasco qui est revenu à sa place. Tabasco à sa place est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire tourner le moteur pour la première fois. Test moteur. Alors, on vient. Regardez-moi ce tableau de commande comme il est beau. Alors, on écoute. On n'entend rien. Voilà, on prend un peu des tours. Alors en fait, 1500 tours. Voilà, le mi-régime, c'est pas tout à fait 2000 tours. C'est 1008 puisqu'il doit faire 3600 tours au taquet quoi. Bon. Ah là là, ça ronronne, ça ronronne. Alors là, on va envoyer. Oui, faut que je m'habitue. On va mettre un peu des. Voilà. Un peu de gaz. Et derrière. Eh ben ça brasse. Voilà pour les premiers essais au port, moteur au port. Ben, tout à l'heure, on va sortir un petit peu et on va faire les essais en mer, en navigation, quoi, devant le port, probablement. À tout à l'heure. Donc là, ça tourne à l'extérieur. On va aller voir, ou plutôt, alors je sais pas si on m'entend, on va aller voir, ou plutôt écouter ce que ça donne à l'intérieur. Allez, go! On est parti. Voilà. Ça tourne. Donc on peut se rendre compte que ben, au niveau sonore c'est pas mal quoi. Ça change. Allez, on va aller en mer. Voilà, premier essai moteur. Première ressortie, premier essai moteur. Donc on voit qu'on est à 2500 tours. Donc 2500 tours sur un moteur qui va à, on a dit. Donc ça c'est un régime de croisière rapide. Bon là on a le vent dans le nez, dans le cul, ouais. Et vent dans le cul, donc on voit en marche hein. 6 nœuds 2. On peut entendre le bruit moteur très très faible. Et bien voilà, on est le 21 janvier et c'est le dernier voyage pour ce cher Rene Kuech, 16 chevaux.